Non, pas le docteur. Un livre écrit par Stéphanie Blake et publié aux éditions Des codes et une loisir. Cricrac. Et l'histoire sort du livre. Non, pas le docteur! Aujourd'hui, Simon joue au foot dans la cour de l'école. Envoie-moi la balle, Lou! Lou fait la passe à Simon et Simon shoote en mode supersonique, si fort que But! il marque un but, mais au même moment, il perd l'équilibre et paf! Il tombe en arrière et Crac! fait son bras. Crie Simon. J'ai cassé mon bras! J'ai cassé mon bras! Alors, vite, Lou court chercher la maîtresse. Oh là là, c'est horrible! Tu dois aller chez le docteur! Dit Ferdinand, complètement paniqué. Oh là là, c'est arrivé à mon grand frère! Ajoute Mamadou, tout affolé. Le docteur va te faire supra-méga mal pour remettre ton bras en place! Crie! Et Crac. tu vas hurler de douleur. J'appelle ta maman. Il faut aller à l'hôpital, dit la maîtresse en voyant le bras de Simon. Lou s'agenouille à côté de Simon et lorsqu'elle lui demande « Ça va, Simon? Tu n'as pas trop mal? » il lui répond tout doucement « Si, j'ai méga giga mal. » Quelques minutes plus tard, la maman de Simon arrive. Oh, mon pauvre petit lapin, viens, l'ambulance est là. Simon verse une petite larme. Il a peur et il a mal. Il monte dans l'ambulance et l'ambulance roule si vite que très vite, ils arrivent à l'hôpital. Et lorsque maman dit, on va voir le docteur, il va remettre ton grand place. Simon répond. L'ambulance s'arrête et lorsque le docteur ouvre la porte et demande « Comment as-tu fait ça, mon Relais pas. En grimpant dans un arbre? » Simon répond du tac au tac « Pas du tout! J'ai marqué un but au foot en mode supersonique! »« Tu es trop fort !» dit le docteur enthousiaste. « Viens avec moi, mon grand. On va faire une radio supersonique pour voir à quel endroit ton bras s'est cassé. » À l'hôpital, il se passe mille choses. Tiens, d'abord je te donne un médicament pour calmer la douleur. Et maintenant nous allons faire la radio. Ça ne fait pas mal du tout. Regarde, là c'est une photo de l'intérieur de ton bras. Tu vois cet os cassé? C'est le radius. Je vais te mettre un plâtre et ton os va se réparer tout seul. Tu es vraiment très courageux, dit le docteur. Tu n'as peur de rien. Tu vas bientôt pouvoir marquer des buts supersoniques. Simon est trop fier, même qu'il est supra méga fier d'avoir un plâtre comme ça. Et le lendemain matin, en arrivant à l'école, lorsque Ferdinand lui demande « Alors, il était horrible le docteur? » Et Mamadou « Alors, tu as hurlé de douleur? » Simon répond. J'ai même pas eu mal, car je suis super lapin et mon bras va se remettre tout seul en mode supersonique. Cric-crac, et l'histoire entre dans le livre. À bientôt. Retrouvez nos contes et nos lectures du soir ainsi que nos lectures animées sur la chaîne Les Histoires de la Maîtresse.